Salut à tous les amis, c'est Critix, on se retrouve pour le chapitre 9 de ce guide complet sur Elden Ring. On est au bastion de la table ronde, en fait en arrivant, je suis désolé, j'avais pas lancé la capture, je me suis fait attaquer par Encha, vous allez vous faire attaquer par Encha. Encha c'était le personnage mystérieux, bah lui là, qui a drop quelque chose, qui attendait devant le bureau de Gideon Ofnir. Donc voilà, j'ai pu récupérer même ses armures et tout, qui sont plutôt cool d'ailleurs, donc je vais peut-être les utiliser maintenant. Et du coup, pour pas que vous manquiez de l'or, j'ai lancé la capture parce que là, comme on a récupéré quand même trois runes majeures, et bah je suis venu parler avec la sorcière, qui avait ses doutes, mais... With exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika. To become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. Now, go forth. Become Elden Lord. Donc vous voyez ce que je vous disais, avec avec que deux runes, pardon. On aurait pu terminer le jeu, hein. Enfin aller vers la fin du jeu. Pas terminer tout de suite, mais il aurait resté pas mal de choses à faire, mais... Sans même explorer, foncer vers où on doit aller. Et devenir le seigneur d'Elden, mais c'est pas cette fin qu'on va choisir, parce que... C'est même pas une question de bonne ou de mauvaise fin, c'est surtout qu'on va rater énormément de choses, vous allez voir. Nocron, on l'aurait même pas vu, Radahn, on l'aurait même pas vu. Enfin, il y a plein de choses encore à voir. Là, je suis parti dupliquer les souvenirs. Je suis parti dupliquer les souvenirs de Radahn. Comme ça, je peux prendre son arc et son épée. Pour Rennala, j'ai pas encore dupliqué, donc je vais pas l'utiliser. Et donc ça, c'est plutôt cool. Encore un petit peu de l'or, si vous le voulez bien. The Elden Ring's shattering. She was imprisoned in the Erd Tree. A grim punishment for shattering the Order, despite her godhood. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and a vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. On en apprend pas mal sur le lore, hein, vraiment. Du coup, nous, on va quand même acheter des trucs. On peut s'acheter là la robe de Rennala et ainsi que son chapeau. Mais ce qui est un petit peu intéressant pour nous, ça va être l'armure de Radahn. Ça coûte très cher, mais on va tout prendre. Hein. Hop. Et on va cosplayer Radahn. Tout simplement. Voilà. Pour dupliquer le souvenir de Radahn, en fait, la tortue que je vous ai montrée dans le chapitre 6 ne fonctionne pas. Donc il a fallu que j'en trouve une autre et je vais vous montrer comment la... Déjà, où la trouver. Et comment s'occuper d'elle. Alors, ça, homme de chevalier, on s'en fiche. Ok, j'ai rien à acheter d'intéressant. On va parler quand même un petit peu avec Gideon. C'est comme Mass Effect, hein, chaque fois que vous faites avancer un petit peu l'histoire, vous allez parler un peu à tout le monde. I see you found another great room. Wonderful.
You are a worthy fellow Tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are Tarnished. And we must answer the call of grace. Du coup, là, on va faire avancer un petit peu le lore. Hein. De toute manière, c'est chapitré. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer. On va parler d'Encha qu'on vient de tuer. Oh, my apologies for that nasty business. Encha got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Encha is slain and gone. Finished. Forevermore. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Voilà, le reste, on en a déjà parlé. Alors, rapidement, je voulais faire un petit point sur l'état de ce guide. Alors, effectivement, même si on fait, je dis qu'on fait les zones à 100%, il y a pas mal de petits points d'intérêt qui sont pas très intéressants pour moi, pour ce guide qu'on n'est pas allé voir, ou d'autres que j'ai laissé de côté pour plus tard, on va y revenir. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné méticuleusement les trucs les plus intéressants, ceux qui valent le plus la peine, ceux qui sont le plus worth de votre temps. Du coup, vous voyez que là, on a quand même bien avancé en 15h, quoi. 16h, allez, 15h50. Niveau 61 sans jamais farmer. Tout ça parce qu'on a choisi les bons endroits à voir. Je vous les ai choisis, et c'est ça que je vous montre. N'hésitez pas, enfin, il y en a plein, il y en a qui m'ont demandé. Je crois que c'est Fabien qui m'a demandé une liste de tous les points d'intérêt en mode bullet point qu'on visite dans chaque chapitre. C'est déjà le cas puisque les vidéos sont chapitrées. Vous allez juste dans la description, il y a tout. Et c'est chapitré, vous cliquez et puis vous y allez. Et il y a Aymar Azeiza, le grand d'Ubisoft, qui m'a aussi également fait la demande de mettre plus de temps. Merci Ludo, de montrer plus de temps la map. Parce que souvent, vous n'arrivez pas, enfin je vais un peu trop vite, comme moi je la connais bien. Du coup, à chaque fois qu'on ira sur un point d'intérêt, je vous le montrerai bien, j'insisterai dessus. Là par exemple, pour vous montrer comment dupliquer votre deuxième souvenir, regardez, c'est à Lurnia. Vous allez, hop, peut-être que vous ne l'avez pas encore ce site de grâce, il est juste là, il est à côté de la... à l'est de l'académie, oui, de Raya Lucaria. Du coup, vous allez ici. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir dupliquer. Je ne vais pas pouvoir le faire puisque je l'ai déjà fait. Moi, vous allez trouver la tortue déjà par terre. Et en fait, sa particularité à cette tortue, c'est qu'elle n'a pas les endroits où taper. Vous savez, sur ses pieds là. Où on tapait pour pouvoir la faire tomber. Elle les a pas. Elle les a au-dessus. Et donc, c'est inatteignable. Enfin... Bien sûr, il y a toujours un moyen, et c'est justement ce moyen que je vais vous montrer. Donc vous voyez là, elle est déjà tombée, hein, c'est elle, au sol là. Et du coup, pour parvenir à elle, en fait, vous avez ici... Vous savez les endroits où on peut sauter là. Et du coup, ce qu'il faudra faire, hop, c'est sauter, mais pas pour monter ici. Pas pour monter là-bas, mais pour monter sur la tortue. Donc vous venez là, vous sautez plutôt du côté de la tortue. Et hop, vous allez retomber dessus. Si vous ratez un premier saut, voilà, c'est là-bas, là. Si vous ratez un premier saut, vous n'hésitez pas à le recommencer. Et ce sera good. Ce sera complètement good. Voilà, nous on va retourner là-bas. Hop. Donc elle, va nous parler de Dectus. Enfin, même le Gideon Ofnir, hein, il nous a dit d'aller... tout de suite au plateau Altus, hein, à la grande capitale, pour devenir seigneur d'Elden. C'est une des fins, on va pas la faire parce que
On a encore énormément de choses à voir. Nous, on va aller, du coup, je vais bien vous montrer la map. Vous retournez à Necrolimbe, donc au tout début. Et c'est au sud des bois brumeux. Ici, là, à côté du Fort 8. Vous venez ici, et c'est ici qu'on aura l'entrée de Nokron, la capitale éternelle. Alors, je vais en profiter. Je vais profiter, pardon, de ce site de grâce pour me monter en niveau, hein, parce que j'ai quand même 52 000 runes, donc ça fait deux niveaux. On va se mettre deux niveaux de dex en plus. Voilà. On va mettre un coup de runes, puisqu'on en a. D'arc runique, pardon, rune majeure. On en a 9, donc autant en utiliser un. Ça fait quand même un joli boost. On va ensuite, puisque j'ai acheté, ça m'a coûté cher, hein, tout l'équipement de Radahn, ben on va l'utiliser. Par contre, faut pas qu'on passe en charge lourde. Charge moyenne, ça passe. Charge lourde, non, c'est pas possible. Radahn. Et les jambières de Radahn. C'est bon, on reste en charge moyenne. Voilà. Et du coup, vous voyez ici, c'était une grande plaine au début. C'est Necrolimbe, hein, vous connaissez. Et maintenant, il y a un méga trou. Et c'est à cause de l'astre que Radahn a fait tomber ici. Et tant mieux, puisqu'il nous a ouvert le passage à. Vers. Nokron. La cité éternelle. Du coup, pour y aller, vous faites le tour. Vous descendez tranquillou. Alors, vous pouvez descendre sur la gauche et sur la droite. Vous allez sur la droite. Sur la gauche, ça va vous amener nulle part. Donc, on y va tout doucement. Faites pas trop de sauts, sinon vous allez mourir. Là, par exemple, si je fais un double saut vers la grosse plateforme, là, je vais mourir. Il faut se laisser tomber d'abord ici. Voilà. Et puis ici. Voilà, c'est un peu bête parfois les. Les dégâts de chute sont mal jaugés, mais c'est comme ça. Et on y va. En cosplay de Radahn. C'est incroyable. Alors, vous pouvez vous laisser tomber en direct. Il n'y aura pas de dégâts. On récupère ce petit truc. J'ai une rune dorée 5, hein, niveau 5. Donc là, on se laisse pas tomber n'importe où, c'est vraiment sur l'extrémité. Pour pas avoir de dégâts. Hop. Et on y va. La ville éternelle. Et en fait, c'est lié à la Siofra. Où on était déjà allé. Oulala, j'ai beaucoup de frise là. Ça va être complexe. Hop. Bon là je suis désolé, dans cette zone il y aura un boss obligatoire corsé. Mais il n'y a pas le choix, il faudra passer par là. Donc là ça paraît très haut, mais vous pouvez vous laisser tomber ici sur la première plateforme sans dégâts. Juste pour reset l'état là. Et du coup nous voilà. Profitez. C'est beau. On s'arrêtera sur un autre panorama après.
La perle de cueilleur du muguet, c'est bien parce que souvent vous aurez besoin de muguet pour améliorer les vos invocations chez Rodrika. Et au lieu d'aller en chercher, vous pourrez les acheter. Donc il faut donner cette perle aux deux sorcières dans le bastion de la table ronde. Et après vous pourrez les acheter, tout simplement. Donc on va aller là-bas parce qu'on a une larme larvaire. C'est ça, l'arme larvaire, ouais. Qui vous permet de respec, vous savez, chez Renala. Voilà. Et en fait, ici, vous allez en trouver plein. Donc elle est vraiment bien, cette zone, pour ça. Donc là, il y a du muguet, on va quand même le choper. En plus, c'est du muguet 3, ça va permettre d'améliorer encore plus. What? Et la petite pierre de forge 5, fait du bien. Vous savez que c'est ce qu'on recherche hein, pour améliorer le katana maintenant. Mais de toute manière, on va pas l'améliorer jusque le plateau Altus. Donc c'est normal ce qui se passe. Ah, c'est incroyable. Attends, je veux profiter s'il te plaît du... Voilà, laisse-moi profiter du panorama là. C'est magique. Oh, mais on peut pas profiter parce que le HUD est très pollué. Parce qu'il y avait danger, genre. Allez, on enlève le HUD, s'il vous plaît. Voilà. En fait, ça va me servir de miniature pour cette partie du guide. Par contre, si je pouvais avoir... si ma vie pouvait partir aussi. Allez, je te mets au max. Allez. Pars, s'il te plaît. Voilà, merci. C'est magique. C'est bon, on a notre miniature. Donc on loot bien ici hein, parce que y a plein de trucs intéressants. Notamment ici. Une nouvelle larme larvaire. Ouais bon, elle on va pas se battre. Et là par contre on a un combat qui est hyper intéressant. Parce qu'en fait on va se taper contre nous-mêmes. Et du coup, elle va pouvoir utiliser toutes les armes que j'ai, le même katana. Ça veut dire que elle peut très bien one-shot. Hein. Ça va être super marrant. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut la 2v1. Je dis là, parce qu'en fait, c'est la larme imitatrice qui est là. Du coup, comme c'est une larve, pardon, imitatrice. Ou larme. Bref. Allez, monte-toi. C'est moi. Vous voyez, elle utilise même mes centres de guerre. Sans vergogne. Oh, elle va me faire saigner. Ouf, elle m'a fait le weapon art. Elle est trop maligne. Elle s'est heal comme moi. Oh, elle m'a mis un contre. Excellent. La larme imitatrice. Finis-moi ça. Eh ouais mec. C'est comme Goku et commandant Ginyu. Hein.
C'est pas le corps qui fait le combattant. T'as beau voler mon corps et mes aptitudes, t'arriveras pas. Ah, j'ai 20 000 runes, donc je suis pas loin de me faire mon petit... Je vais utiliser ça. La rune dorée 5. De me faire ma petite amélioration à 22, normalement c'est bon. Pierre de forge sombre 5. Rune dorée 4. Alors, arrivé ici, c'est le même principe que la dernière fois. Alors, ce combat, moi, franchement, dans mes autres parties, je le fais. La première fois, ma première partie, je l'ai fait. Ensuite, je le fais pas parce que j'en vois pas trop l'intérêt, très honnêtement. Après, si vous voulez le faire, suivez simplement. Je vais le faire en x2 là, pour que ça aille vite. Mais pas trop vite non plus pour que vous puissiez suivre et trouver où sont les stèles. Parce que c'est comme d'habitude, il faut allumer ces stèles-là.
Elle est là. Voilà. Et du coup là vous avez débloqué le même type de boss qu'on avait fait au début de partie là. Franchement pour ce que vous allez gagner, enfin moi je l'utilise pas. On va aller se le faire hein, puisque c'est un guide. Donc domaine de sacre corne, on y va. Bon elle est un peu plus difficile que la première. Qui était un jeu d'enfant là c'est un petit peu plus difficile. Ah, viens là. En fait, elle est pas plus difficile, c'est juste qu'elle se TP comme ça à chaque fois. Souvent, vous serez pas loin de lui faire des dégâts et elle se sauve. Allez, viens là. Allez, s'il te plaît. Purée, l'approcher, c'est pas facile. Hein. Je savais qu'elle allait faire son attaque arrière, mais ça valait le coup de la prendre. Vu le nombre de dégâts qu'on lui a fait. 1, 2, 3, et roulade. Ah, mais prends ta main. Ton épée à deux mains. Du coup, elle a repris de la vie comme ça. En plus. Bouge pas. Oh, je l'ai raté. Allez, encore un et c'est bon. Ciao. Souvenir de l'esprit ancestral royal. Du coup, on va essayer de le dupliquer également. Et là, on s'est fait le fight tranquillou. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là le TP. Ok. Alors, avant d'aller au boss de Nokron, il y a un autre endroit qu'on se doit de visiter. Et ça va permettre de récupérer aussi la larme imitatrice, comme celle du boss là. Et en fait, ça va être une invocation qu'on va pouvoir réaliser. Et ce sera une invocation qui nous ressemble avec nos attaques, etc. Alors pas c'est pas les mêmes points de vie, pas la même résistance bien évidemment, sinon le jeu serait trop facile. Mais c'est peut-être une des meilleures invocations du jeu quoi. En tout cas à ce niveau du jeu, parce que sur la fin il y a quand même de très très belles invocations à trouver. En fait, vous essayez de vous repérer par rapport à cette stèle à l'entrée là, de cette zone où il y a la bête qui chante. Vous arrivez ici, plus à gauche, hop. Le site de grâce qui va bien. Là, j'ai assez. Avec ce boss, j'ai assez pour m'augmenter quelque chose. Ouais, encore de la dex. Hein. Allez, hop. On est full dex, là. Hein. Et du coup, pour vous montrer un petit peu, ça donne ça. On est sur le pont, là. Non, pardon. Le pont, il est là, où il y avait le combat contre la larme. On est passé ici. Ici, c'était cassé. On est passé ici. On a allumé toutes les stèles. En fait, c'est sur la gauche, ici. Vous remontez. Chut. Bois ancestraux. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Et du coup, toute cette zone, il faut absolument la visiter, vraiment. Voilà. C'est du parcours. C'est du Assassin's Creed.
runique, ça fait plaisir. Hop, ne ratez pas votre saut, sinon c'est la mort. C'est joli Nocron. Y a pas à dire, c'est hyper joli. Donc nous, on doit aller là. C'est magnifique. Regardez, y a le même trône que quand on s'est battu contre le soldat Draconite. Hop, vous laissez tomber ici. Alors, lame d'affûtage noire ici. Alors ici, on va bien évidemment dépenser, alors il y aura un petit fight après, utiliser une clé lampierre. D'ailleurs faut que j'aille en acheter hein, chez les marchands, en racheter. Purée, je peux pas me baisser là, pourquoi? Tant pis. Ah, voilà. Vous le tuez, et après vous pourrez avoir l'alarme imitatrice. Elle est vraiment top. Comme invoque. Regardez, je vais l'équiper tout de suite juste pour vous la montrer après. Mais je vais pas l'utiliser parce que je l'ai pas encore améliorée. Alors j'en ai plein, c'est celle-ci. Voilà. Et du coup, il y aura un deuxième cosplay de Radahn. Alors, attends deux secondes parce que là, on avait des trucs pas mal. On va pas réussir à atteindre là-bas. Allez, fais-toi écraser. Reste là. Voilà, ça t'apprendra. Ah mince. Oh. Ouh. Merci bien pour cette larme. Pour cette larmichette. Donc vous voyez, là je peux invoquer, je vais invoquer la larme. Imitatrice. Et là, il y a un deuxième Critics. Il est là. Un deuxième cosplayer de Radahn. C'est ouf. On va se reposer ici. Et on va retourner. Mais attends, je regardais plus haut, moi. Bon là on peut très clairement rusher, hein. On s'en fiche de... Avant de prendre le portail, on va quand même récupérer ce qui est ici. Et voilà.
du lourd. C'est un troll là qu'on vit. C'est clairement un troll. On est clairement sur un troll. Donc en fait, il fallait se jeter ici pour passer par les toits. Voilà. Et puis on revient là et on rentre dans l'autre sens. Et là, on va avoir cet item violet. Le marteau nocrien. Voilà, maintenant on peut se barrer et revenir. C'était les bois ancestraux. Hein. Ouais. Et là, les gars, c'est parti pour le fun. Avec un combat bien chaud. Un des plus chauds du jeu. Comme ça, c'est dit, c'est top 5. Top 5 des plus chauds, donc en fait, vous... passez à gauche, là, hop. C'est à côté, en fait, de là où il y avait la bête. Vous remontez, mais sur la gauche. Alors non, pas ici. Parce que là, ça donne encore vers la bête. Voilà, c'est là. Où il y a les méduses en fait. Suivez les méduses. Plus il y a de méduses, mieux c'est. Alors là, on va pouvoir se jeter par ici. Voilà. On récupère la clé lame de pierre. On continue. On récupère tout ça. Et on y go. Donc il y a ce soldat, c'est gros fight lui. Hein. Rien que lui déjà c'est gros fight. Il est pas là pour rire. Vous pouvez le passer. Hein. Moi je vais me le faire mais vous pouvez complètement le passer. Voilà. Et j'aurais bien voulu m'en passer aussi hein, de ce mec. Mon secte est chaud. Et encore là, il est en phase 1. Je le hais. Lui, je le hais. Je le hais. J'en veux pas de ton bouclier. Mais je te hais quand même. Franchement, elle met de bonne humeur cette zone. Hein. Vous allez voir qu'après, le boss, ça va être comme le Sancte Cher, hein, l'apôtre Sancte Cher. Pardon, je parlais pas devant le micro. Ça va être pareil. Je vais mettre 8 rails. Ça va me rendre ouf. Parce que les mecs, en fait, ils te prennent en 1v2. C'est un combat qui est clairement un clin d'œil pour moi. Oh non, encore un autre. Oh non. On commence par un backstab. Hein. Non! Ça ne l'a pas backstabé. Pourquoi? Pourquoi non backstab? Mais venez à 6 aussi, ouais. Ouais, phase 2, ok, ouais. Ça sort les ailes. J'ai plus de magie, j'ai plus de magie! Il va me tuer! La magie! Oh, je suis mort, il est en train de me dégommer! Oh!
Oh, je le hais ton coup. Ton coup d'épaule. Allez, crève. Non, mais toi, à un moment, faut crever aussi. Hein. Oh, la pierre de forge 5. On aime, on kiffe, on valide. Oh, attendez, on va aller vider là-bas et après on ira au boss. Parce que là on n'a pas vérifié tout ce qui est ici. Viens là, viens là, viens là, viens là. The Golden Order. Donc là on a une effigie de Marika, ça veut dire qu'on va pouvoir revivre après ça là. Et malheureusement j'ai 18 000 runes, ça va être compliqué de les garder. Donc ça, ça me met pas du tout de bonne humeur. Ouais, je vais pas utiliser l'arc runique maintenant, parce que je sais que je vais mourir la première fois. Vous allez comprendre pourquoi pour moi, c'est un bel hommage à Dark Souls, vous voyez. Il y a une gargouille qui est là. Et en fait, au milieu du fight, il y a une deuxième gargouille qui va se mêler au combat. Exactement comme dans Dark Souls 1, quand on est au-dessus de l'église. Voilà, donc en fait, le combat, c'est pas ça qui est très dérangeant. C'est qu'en fait, vous êtes rapidement empoisonné. Et ça me rend ouf. Ah, il m'a eu. Et déjà, en fait, s'il était tout seul, franchement, ce serait un combat compliqué. Mais du coup, après, ils sont deux, quoi. Et bon courage, voilà, elle arrive. Franchement, tu respires plus à deux. Hein. J'en ai esquivé une, mais pas la seconde. Et c'est toujours comme ça, dans ce fight. C'est ça qu'il faut vite s'en débarrasser d'une. Allez, crève. On y est presque. Je vais t'empoisonner, je vais t'empoisonner. Ouf. Ah mais l'autre il arrive, mon invoque est morte. Ok, ça fait une de moins. Faire attention là. On va se regarder hein. T'attaques pas, j'attaque pas mec. Oh my gosh.
On esquive là ces poisons. Chromo max. Ah les enchaînements. Ah non, mais t'esquives pas! Viens là, mec! Ouh, mais j'ai plus de magie, je peux plus le faire saigner! Bah ouais, parce que j'ai commencé comme ça, purée, si j'avais commencé full! Ça serait plus la même histoire, hein, je te le dis! Je vais devoir le finir normalement. Ah, derrière! Empoisonnement, empoisonnement! Oulala, je vais dans le poison. Il me force à aller dans le poison. Non, il avait plus rien. Sa barre de vie était vide. C'est le poison qui m'a eu. Ah non. On y retourne. Ils sont prenables, hein. Franchement, si j'avais eu mes deux fioles de magie, ça aurait été first try. Qu'un. Pour être honnête, c'était troisième essai, les amis. Troisième essai que j'ai coupé. Un des pires combats du jeu. Je vous déteste, les gargouilles. Poison plus gargouille égale détestation. C'est top 5 hein, des difficultés du jeu. Quand on prend en compte le moment où on arrive, le niveau auquel, avec lequel on arrive sur ce combat, quand on prend tout ça en compte, c'est top machin. Alors, on va pas se mettre du Dex, on va se mettre... On va se mettre, allez, un peu de vie. Et le prochain niveau, il est pas loin. Il est à 200 runes, donc on va aller dans l'inventaire. Hop, j'en ai deux. On va les utiliser deux, les petites, ça va faire 400. Ah, oh, c'était des... Ah non, c'était des grandes. C'est pas grave. Montée de niveau. Encore une fois, un petit coup de vigueur. Et voilà, là on est pas mal. On est pas mal du tout. Du coup, en fait, la quête de Rani, si vous vous en souvenez, elle nous a dit d'aller à Nokron, la ville éternelle, pour battre le boss à l'intérieur. On va aller lui dire. On va lui faire un retour. Alors là, je suis allé un petit peu vite. J'ai pas suivi les conseils, les recommandations qu'on m'a demandé. Donc, je vais vous remontrer la map. La tour de Rani, elle est là. Hop là. Nous, on était là. Enfin, on était plutôt dans le souterrain. Vous appuyez sur R3. Vous allez au nord-ouest de la map. Vraiment, hein, le point le plus au nord-ouest. Et vous allez trouver la tour de pierre d'éclat de Rani. Et on va lui faire un retour sur la mission qu'elle nous a donnée. Donc c'est en haut que ça se passe. Not Blythe, it seemeth. Non, c'était moi, c'était pas Blythe.
It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally, all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. On épuise bien tous les dialogues. I shall entrust thee with this. Et du coup, Rani nous donne la statue inversée de Caria qu'on va pouvoir utiliser dans la salle d'études. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. Ah oui, oui, merci. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. Thank you, Rani. What is it? I too am to depart on a journey. Du coup, on va y aller. Alors, là, on va rouvrir la carte. On va retourner, c'est à l'est de Lurnia. Donc, vous restez bien à Lurnia, pas à l'est de la carte, hein. C'est vraiment à l'est de Lurnia. Vous trouvez là, elle est ici, la tour divine. Et du coup, on va aller à l'entrée de la salle d'études qu'on avait débloquée à la fin du chapitre 5, me semble-t-il. Ouais, le chapitre 5 sur Lurnia. Et du coup, maintenant, on a de quoi activer la rune majeure. En mettant l'artefact que nous a donné Rani sur le piédestal. En fait, ça a tout inversé ici. Et là, je vous conseille de complètement rusher la zone parce que sinon elle est un peu difficile, ça sert à rien. Il y a rien de bien fou à looter. Donc vous foncez. Il y a même un ennemi assez abusé avec Myriam, c'est Myriam là qui nous attaque. Et en plus elle est pas toute seule donc on va pas la calculer, on va juste foncer ici. Non, c'est pas là. C'est ici qu'il faut sauter, vous inquiétez pas, il y a pas de dégâts. Ah si, il y a des dégâts mais vous mourrez pas. Hop. Pensez à vous heal au cas où vous mangez une flèche parce qu'ils vont pas vous lâcher. Hein. Même de loin. Ici, vous sautez. Vous mettez bien au-dessus. Voilà. Bien au même niveau. On saute encore une fois ici. Hop. Et on saute sur l'ascenseur. Tac. Ça descend, mais en fait, ça monte. On a l'impression que ça descend, mais en fait, ça monte. Tout a été inversé à cause de la magie de Rani. Et ensuite, on va atterrir sur le pont. On va arriver sur le pont qui amène à la tour divine de Lurnia. Donc, qui permet d'activer la rune majeure de Rennala. Et en arrivant sur ce pont, tout redevient l'endroit, et sur votre chemin,
Il y a un Sanctuaire. Vous savez le boss là sur lequel j'ai galéré dans le chapitre précédent sur Kaylid, l'apôtre Sanctuaire, bah là il y a son pote. Et vous voyez, quand je vous parle de top 5 de difficulté, bah eux c'est top 1, 2, 3. C'est les pires. Sauf que ce boss là, il est optionnel, vous pouvez l'éviter. Celui-ci là, il va popper, vous prenez votre cheval et vous passez à côté de lui. C'est tout. Vous prenez pas la tête. Voilà, vous l'esquivez. Il est vraiment vraiment chaud. Mais vous inquiétez pas, vous le retrouverez plus tard. Et cette fois-ci, malheureusement, il sera pas skippable. Donc en vrai, inquiétez-vous. Général Radan. Et voilà. Et on n'a pas les Two Fingers. Qu'est-ce qui se passe? La marque maudite de la mort, héritage de l'astrologue. Alors, maintenant qu'on a récupéré ici ces items importants, on va continuer la quête de Rani, hein, qui est loin d'être terminée. Ce qui va nous permettre ensuite d'ouvrir le fameux coffre qui est chez Rennala, qui reste fermé. Du coup, on va avoir besoin absolument... cette fois-ci, vous savez, de l'item que je vous ai dit qui va nous purifier de la putréfaction écarlate. Alors vous allez au plateau oriental, qui se trouve juste à côté hein, de la tour divine. Et en fait, il y a un sort qui s'appelle Feu Purifie-moi qu'on va prendre et qui va nous permettre d'être invulnérable à cette putréfaction écarlate. Alors on va y aller, vous pouvez soit clean le camp, soit... vous faites comme moi, je vais faire, à savoir, rusher tout ça. Voilà, flamme purifie-moi. C'est vraiment cet item qu'il faut récupérer. Je vais vous remettre, enfin c'est tellement pour moi important que je vais vous remettre. Je vais me sauver histoire de pouvoir ouvrir la map parce que là je peux pas me la mettre. C'est ce que je voulais dire, je vais vous remettre la map. Pour que vous sachiez bien où est cet item. Alors... voilà, ici, si je m'assois, je pourrais ouvrir la map. Donc voilà, vous avez l'église des vœux ici. Vous avez le puits de l'incel ici. Un feu juste à côté, et c'est ici là. Entre ces quatre barricades naturelles, on va dire. C'est ici que vous allez trouver flamme, purifie-moi. Quand on va dans l'inventaire, on va check nos sorts. C'est celui-là. En plus, vous voyez qu'on a déjà 12 de foi. On a 13 même, donc on va pouvoir l'utiliser. Et donc, ça soigne le poison et la putréfaction écarlate et dissipe leur accumulation. Donc, on va équiper ces sorts-là. Je l'avais pas fait puisqu'on joue pas du tout de build de sorts. Donc, vous allez sur un site de grâce pour les équiper. Vous allez dans le menu sorts mémorisés. Bam. Et on se met... de la flamme purifie-moi, voilà. Alors vous aurez besoin également d'un item pour pouvoir lancer ça. On va prendre Ramazi, merci pour l'abonnement YouTube, bienvenue à toi. Merci d'ailleurs aussi pour l'accueil hein, que vous avez fait pour ce... Eh ben j'en ai pas. Je n'ai pas de quoi lancer de magie. Donc c'est pas un souci, on va aller
chez un marchand, hein. On va aller par exemple au bastion de la table ronde, on va trouver ça. Hop. Oui, c'était là-bas. J'en ai pas. Alors, on va prendre ça. Le sceau des deux doigts. Pour 800 runes. C'est cadeau. On va l'équiper. Hop. Si vous voulez, on peut aller tester tout de suite ce sort. Dans les rives du Marais d'Ivoine, hein, vous vous rappelez, milieu de Kélide. C'est le lieu où il y a eu la bataille entre Malenia et Radahn. Du coup, c'est beaucoup touché par la putréfaction écarlate. Donc vous voyez, hein, là, je suis malade. Je vais me brûler. Et c'est bon. Tout part. Ça consomme un peu de magie, donc va falloir quand même avoir quelques fioles. Et voilà, on se brûle. Et ça part. Et ça va beaucoup plus vite que manger les graines. Donc c'est hyper important, surtout pour ce qui nous attend juste après. Du coup, on va faire avancer un petit peu la quête de Rani. D'accord ? Pour ce faire, on va aller, maintenant qu'on a récupéré les items qui étaient dans la tour divine de Lurnia, on va retourner chez Dame Rani. Hop. Allez, let's go. Alors, on va récupérer ce qu'on peut récupérer. On récupère Rani miniature, c'est ça. L'item qui est important pour nous. La petite Rani. On s'assoit. Et on discute avec Rani miniature, vous voyez, c'est écrit là. Parler à la Rani miniature. Donc ça fait rien, c'est normal, il faut le faire 3 fois. Oh, a dogged fellow, aren't we? Eh ouais, on est tenace. Is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a eliminate the bale the name of Rani I will. Allez, on y va. Alors, je vais rester caché pour la suite de cet enregistrement parce que j'ai un problème en fait avec mon Steam Deck. Et je peux pas m'enlever comme ça à la volée. Du coup, au lieu pour éviter de faire des retours Windows à chaque fois, je m'enlève carrément. Oulala, oulala, oulala. On va aller dégommer cette bête rapidement. Ah.
Voilà. On descend par ici. Récupérer le muguet fantomatique également. Et on atterrit à Noxtella. Je m'assois pour recharger ma mana gratuitement. Voilà. What? On voit la petite graine dorée là-bas. Oups. On ira la récupérer après. On loot ce qu'on peut ici. Donc là normalement on doit avoir assez de pierres de forge 5 pour améliorer notre arme. On va se battre contre l'ombre funeste. Faites gaffe parce que ça fait beaucoup de dégâts. C'est l'ombre de Blade. Ouh, c'est qu'on est chaud, Blade. Bravo. Bon, encore un coup et c'est bon.
Ah oh mince. On a récupéré la clé. Voilà pourquoi on avait besoin du spell. Parce que là, ça va être un peu complexe. Du coup, comme on va utiliser de la magie, je vous conseille de prendre quand même une fiole de larmes céruléennes, hein, qui va vous redonner un peu de magie en plus. Donc vous en prenez 3. Si vous êtes au même niveau que moi, si vous avez suivi le guide, normalement c'est le cas. Vous divisez en 7, 3, parce que vous aurez quand même pas mal besoin de votre vie. Hein. Là, c'est pas évident ce qui vous attend. Et du coup, vous pouvez aller... Voilà, donc ce qui est cool, c'est que quand vous passez déjà une fois par là, vous avez des petits raccourcis. Des zones un peu plus safe. Après, si vous voulez économiser de la magie, vous pouvez aussi attendre longtemps sur ces plateformes-là, hein, mais moi, ça m'intéresse pas trop. On va aller vers la sortie qui est là-bas. Hop, petit coup de spell. Hop, on se renvoie les plateformes. Ah, j'ai oublié de me heal. J'ai fait nimp. Alors là, je peux vous dire que j'ai fait nimp. On va aller vers cette petite plateforme, juste histoire de se purifier et se heal. Oh, heal d'abord parce que j'ai plus de magie. Je peux plus me purifier. Eh bah. Faut pas faire n'importe quoi. Hein. Voilà, là on est bien. Donc nous, hein, notre objectif, il est là, bien évidemment. On le comprend avec les flammes, les statues. On va juste aller récupérer... Ah, le saignement, ça lui a fait mal. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il a renfloué un petit peu mes fioles. Vous voyez, je suis repassé à 5-5. C'est plutôt cool. Voilà, la pierre de forge sombre 9. Vous allez voir, on va bientôt les utiliser, hein, les pierres de forge sombre, depuis... un moment, je fais que d'aller les récupérer. Vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre. On va se prendre un katana légendaire en plus de notre katana. Parce que, en fait, le katana qu'on a maintenant, il est déjà bien. Il faut juste qu'on l'augmente encore un petit peu. Et puis, on va se prendre un katana légendaire. Mais les armes légendaires ne montent pas à plus de plus 10, quoi. C'est le max. Alors que là, on est déjà à plus 12, mais bon, ça veut pas dire la même chose, en fait. Le plus 10, il est équivalent du plus 25 de celui-ci, parce que oui, celui-ci, il est capé à 25, pour le coup. Viens là.
Viens là. Voilà. Petite pierre de forge 6. Ah mince. Vite, vite. J'avais le katana à deux mains, c'est pour ça. Donc là, j'ai un petit peu fait nimp, mais juste un petit peu, quoi. Alors, je me souviens plus si le saut est mortel ou pas. Parce que sinon, on passe directement par le côté. De toute manière, on va demander grâce aux pierres arc-en-ciel. Je vous avais montré l'astuce, hein. Ok, le saut est mortel. Donc on le fait pas. Et ici, il est pas mortel, regardez. Je vous remontre l'astuce au cas où vous l'avez manqué. Voilà. Celui-ci non plus. Voilà. Et bah voilà. On va arriver tranquillou où nous sommes censés arriver. Et on va prendre par ici. On va se remettre bien. Bonjour messieurs. Oui bon désolé hein. Ah là on est bien niveau pierre de forge 5. Vous allez vous calmer les gars, hein. Je vous le dis. Hein. Vous allez devoir rentrer là dans ce cercueil. Par contre, là, il y a un boss fight qui va commencer. Et malheureusement, je n'ai pas... J'ai oublié de répartir mes fioles. J'aurais pas besoin d'autant de fioles de magie.
Allez, let's go. Pourquoi je peux pas utiliser mon spell? S'en fout, eux. Alors le setting du fight est superbe. Ouh! Pas cool tout ça. Ouais, j'ai plus de vie là, problème. J'espère que ça va le faire. Il lui reste plus rien. Allez. Ouais, pensez bien mieux répartir vos fioles. Hein. Nous on l'a eu first try, mais pensez bien à mieux répartir vos fioles. Pour le coup. Parce que c'était moins une. Alors, on va revenir ici, mais d'abord on va aller récupérer la bague pour Rani et pour boucler la quête de Rani. Alors on va monter un petit peu de niveau aussi, peut-être passer en Dex 31. J'aime ça. Alors, et en vie aussi, hop, 38. Voilà. Du coup, on repasse sur l'autre niveau en appuyant sur R3. Vous voyez la manette. Et on va aller chez Renala. Et donc, ça, c'est au milieu de l'Urnia. Hein. Voilà. C'est la Urnia au milieu du lac, là. Et vous allez à la grande bibliothèque de Raya Lucaria. Une fois ici, vous pouvez maintenant ouvrir ce coffre en utilisant la clé du palais perdu. Prenez l'anneau de la lune noire. Vous dites bonjour à Renala. Oh, je rigole. On y retourne, on rappuie R3. Et nous, on va ici à Astel, le rejeton du vide. Vous voyez le seau qu'on avait ici, maintenant il est ouvert. Et on va pouvoir aller boucler la quête de Rani en lui donnant cette bague.
Et donc là, en fait, on est tout en haut. On est sur ce qui surplombe l'Urnia. Vous voyez, au-dessus du village des Albinoriques, là. C'est un lieu, en fait, qu'on peut pas rejoindre, qu'on ne peut rejoindre qu'à partir d'ici. Tout simplement. Donc là, vous avez les ruines des Séléniens. Petit arc runique de ce côté-là. Nous, on va continuer jusque-là. Ah, j'ai oublié l'invoque encore. Mais non, je l'avais enlevé. C'est n'imp là. Ah, je vais prendre, je vais les prendre les dégâts. Ah oui, je vais les prendre. Non, lâche. Encore tuer mon truc. Ah mais attends, là je suis coincé, c'est n'importe quoi là. Pardon! J'esquive la queue, mais il met aussi un petit coup de tête en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Oh le bug. Non, mais je le vois même pas au sol. Ah, la blague. Ah, the blague, quoi. Eh bah. Ouais, les 120 000 âmes, on les a pas volées. Hein. On les a vraiment pas volées. Bon, j'ai plus assez pour appeler mon cheval. Allez. Ici, franchement, si vous êtes... si vous jouez magie, là, c'est le... C'est le Graal pour vous, cette église. Alors nous, c'est pas pour ça qu'on est venu ici. Hein. C'est vraiment pour lancer la fin de la quête de Rani. Mais puisqu'on y est, bah on va tout loot, hein. Évidemment. Rien laissé.
Alors, je vais juste en profiter pour monter en niveau. Je pense que là, les 120 000, je vais tous les mettre en vigueur. Voilà. On prend 4 niveaux de vigueur, c'est pas mal. On passe de 1355 à 1503 en PV. Je pense que c'est plutôt pas mal. On en a besoin. Et du coup, là, on va descendre ici. Hop. On va s'allumer la lanterne. Et on va descendre voir Rani, qui est dans les sous-sols. Hop là. Une belle petite cinématique. On va lui passer la bague au doigt. Regardez-moi la pauvre Rani. It is there I shall find mine order. I bid thee, travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Et voilà, vous avez terminé la quête de Rani. Alors beaucoup vont passer à côté parce qu'il y a plein de trucs, et c'est complètement compréhensible, hein. Il y a plein de trucs totalement cryptiques à faire. C'est extrêmement compliqué. Mais voilà, au moins vous l'aurez fait. Juste, si vous voulez prolonger un petit peu le plaisir, vous avez en guise d'épilogue un combat contre Blade. On s'est battu déjà contre Blade, hein. Mais Blade, il est, c'était le mode fantôme de lui, et là on va pouvoir se battre complètement contre lui, pour de vrai, quoi. Hop. Il est là. Profitez pour lui mettre des coups. Hein. Ah mince. Voilà le petit saignement qui est clutch. Évitez hein, ces attaques de zone là. Et voilà. Et en fait, vous pourrez looter ses armures, etc. Espadon Royal et toute l'armure de Blade. On avait déjà récupéré son masque. Donc là, si vous voulez cosplayer Blade, il a une superbe armure. Et ben vous pouvez. Et il y a encore un dernier, allez, épilogue 2, un peu comme dans Red Dead Redemption, où vous pouvez un petit peu faire prolonger le plaisir de la quête de Rani. Quête cachée de Rani. Vous allez donc au nord-ouest de la map, hein, donc de l'Urnia. Vous allez sur la route du manoir et vous allez parler avec le forgeron Iji. Parce qu'on se rappelle qu'il est un peu lié à tout ça. Donc vous allez voir Iji et vous discutez un petit peu avec lui. Oh, there you are. Good of you to drop by. Have you heard?
Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Empyrean from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor, and moreover, her childhood warden, I express my deepest gratitude. You, and only you, were Lady Rani's true champion. Voilà. On peut lui parler aussi de la mort de Blythe. How could Blythe? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blythe became a curse that plagued Lady Rani. Yet even in madness, gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology. Voilà. On va en profiter pour passer notre katana en plus 13, hein, très clairement. Enfin en plus 14 même, puisqu'on avait les 5 pierres de forge, là il nous en manque 5. De toute manière, c'est dans le plateau Altus, on va y aller bientôt. C'est le prochain chapitre, on va décoller, ça y est, pour le plateau Altus, ça va être fou. Les amis, j'ai une petite excitation là vraiment de ce voyage. Juste, allez, en guise d'épilogue 3. Bon là, y a rien à... c'est pas une histoire, donc c'est vraiment un petit bonus. Si vous retournez à la tour de pierre d'éclat de Rani, vous essayez de voir Céluvis. En fait, normalement, là, Céluvis, il est mort. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer ses vêtements. Encore une fois, pour les complétionnistes qui veulent tout récupérer et tout, c'est un petit peu sympatoche. Voilà, il est dead. Donc vous pouvez récupérer ses affaires. Et sa perle cinéraire pour pouvoir la donner aux deux sorcières dans le bastion de la table ronde. Vous connaissez maintenant hein, le délire. Et voilà. Ah, c'est trop bien. Pantin d'intérêt à la servante. Oui, bien sûr. Et là aussi, on prend. Allez, hop. Parce qu'on en a beaucoup. Et du coup, ouais, voilà. Vous pouvez la donner au bastion de la table ronde. Nous, on va se quitter là. Je vous remets. Là, je vais faire un retour Windows pour vous dire au revoir quand même. Je vais mettre ma tête. On se capte. C'est la fin du chapitre 9. On se capte rapidement hein, pour le chapitre 10. Où on va décoller pour le plateau Altus en faisant quelques préparatifs. On va aller chercher un katana légendaire. On va le monter au max qu'on peut. On va récupérer un muguet mortifère 3 histoire d'augmenter aussi notre invocation, d'être bien stuffé et d'aller s'attaquer au challenge que nous réserve le plateau Altus, le Seigneur Rykard. Il y a du lourd, vraiment. Allez, bye bye, ciao, salam alaikum.